Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde m'entend? Ok, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu tous à cette invitation. Et je rends grâce à Dieu qui me permet aujourd'hui de tenir ce discours devant vous. Voici 2 semaines que je m'étais rendu à Goma, dans le Nord Kivu, pour commémorer avec les Gomatriciennes la Journée internationale de la femme africaine. Et c'est devant, comme vient de le dire la jeune dame, les déplacés de Rutshuru et Masisi dans le camp de Boulengo, que j'ai annoncé ma candidature à la plus haute magistrature. C'est un signal fort. J'ai tenu à le faire à l'est du pays, devant un échantillon de nos concitoyens les plus démunis de la République, afin de leur redonner espoir en leur disant que nous ne les avons pas oubliés. Moi, Marie-Josée Ifoku, je ne les ai pas oubliés. Je ne vous ai pas oubliés. Une mère oublie-t-elle les siens? Une mère oublie-t-elle ses enfants? De retour à Kinshasa, j'ai tenu à confirmer ma déclaration de manière plus solennelle et expliquer pourquoi j'ai fait le choix de retourner dans la course. Ma vision de la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo est une voie salvatrice de sortie du cycle infernal dans lequel nous nous trouvons depuis plusieurs décennies. Dans sa création en 1885, jusqu'à la Troisième République inaugurée par la Constitution de 2006, l'État congolais est intégré au système de prédation organisé pour entretenir sa faiblesse, la division, l'insécurité, la pauvreté et l'exploitation de ressources naturelles pour les intérêts de tous, sauf celui de sa propre population. Les crises politiques depuis l'indépendance participent à cette stratégie d'un État congolais constamment en crise, maintenant même en faillite au point de susciter une théorie de son émiettement. Il faut un état des lieux complet en vue de donner au nouveau Congo, celui de demain, les moyens de sa puissance nationale et internationale, lui garantissant une renaissance avec un code génétique différent. Notre pays, la République démocratique du Congo, se prépare à vivre sa 4e expérience électorale depuis l'avènement de la 3e République dans un environnement marqué par les situations ci-après que je vais vous énumérer, le dysfonctionnement systémique de l'État, visible à travers une certaine impuissance de pouvoir public devant l'enrichissement illicite de politiciens, le détournement et la corruption endémique, les tueries ayant banalisé la vie humaine, l'exploitation sauvage et frauduleuse de ressources naturelles, les infiltrations étrangères dans l'administration publique, le dérèglement de la justice, alors qu'une justice élève une nation. La guerre dans sa partie est depuis plus de 2 décennies et le monde entier nous observe sans rien faire. Le monde entier semble impuissant face à cette guerre. L'insécurité dans plusieurs autres coins du pays, particulièrement à Kwamout, sur le plateau de Bateke, dans la ville de Kinshasa. La tension sociale face à la baisse vertigineuse du pouvoir d'achat. Les multiples contraintes de la CENI à bien organiser ses élections. Donc, le fonctionnement des régimes politiques successifs depuis l'indépendance, avec les élections organisées jusque-là, celle prévue pour décembre 2023, présentant la même tendance, n'ont eu que le résultat de conserver le système de prédation pour les intérêts de quelques Congolais à travers des turbulences politiques, de conflits tribaux,
et la mauvaise gestion de la chose publique sans que le peuple congolais ne se retrouve et ne sorte de sa misère. La guerre à l'Est faisant partie des facteurs perturbateurs qui hypothèquent la stabilité de la République démocratique du Congo est un défi majeur à l'existence de l'État-nation sur les 2 345 000 km² de notre territoire. La RDC, la République démocratique du Congo, est en péril. Et notre petite vision dans laquelle nous cheminons, de la gestion d'un immense territoire avec des richesses aussi scandaleuses aux enjeux mondiaux, risque de nous faire perdre le Congo. Soyons davantage lucides face à nos responsabilités. Il est impérieux de passer à un autre système de valeurs et de gouvernance afin d'atteindre la renaissance de la République démocratique du Congo. Ce qui exige de savoir s'arrêter pour réfléchir, créer une cohésion nationale, fondre nos échos dans l'intérêt supérieur de la nation, agir ensemble, conjuguer nos efforts et se préparer à poser les jalons d'un nouveau Congo, car notre salut ne viendra que de nous-mêmes. La combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo. La combolisation est une doctrine qui a pour mission de nous redonner nos valeurs, notre dignité et notre place dans le concert des nations. Elle prône la prise de conscience de la situation dans laquelle nous sommes, de ce que nous devons être comme État-nation et comme citoyens. Son objectif est l'émergence d'une société congolaise basée sur le nettoyage de soi, de son environnement et de l'État, ainsi que sur l'unité dans la diversité, la bonne gouvernance et la renaissance de la République. Pour arriver à cette renaissance, il faut commencer par rompre avec le système de prédation qui s'est érigé en mode de vie au quotidien, dans la gestion de la chose publique, avec la participation passive des Congolais et la complicité active de la classe politique du pays. Voici l'occasion. À travers ma vision de la combolisation pour la renaissance de la République démocratique du Congo, de créer une cohésion nationale entre tous les acteurs de la vie publique congolaise en vue d'arriver à une autre République, celle des valeurs, du changement qualitatif, de la classe politique et de nos mentalités. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, constatant les turbulences politiques, comme je viens de vous les expliquer, les conflits tribaux et la mauvaise gestion de la chose publique, sans que le peuple congolais ne se retrouve et ne sorte de sa misère, le devoir individuel et collectif des Congolais est de s'arrêter un moment et d'aller à la racine du mal pour les vraies solutions. Arrêter avec les mesures d'à peu près et conjoncturelles. Le fonctionnement des régimes politiques successifs depuis l'indépendance, donc depuis 1960, où le système politique désignant le mode d'organisation du pouvoir politique est, par un dysfonctionnement structurel, la raison de la faillite de l'État. Mao Tse-tung disait « La politique est une guerre sans effusion de sang, et la guerre, une politique avec effusion du sang. » La politique congolaise, celle de depuis l'indépendance, est la cause majeure de l'insécurité sur l'étendue du territoire congolais. Celle-ci risque de s'y implanter si nous ne maîtrisons pas le savoir de nos armes ainsi que les armes de notre savoir. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en guerre dès la création de cet État jusqu'à nos jours. Il s'impose une autre lecture de la politique menée dans notre pays. Les gouvernements se sont succédés sans avoir jamais eu à concevoir une approche cohérente pour une meilleure figuration de l'État dans une vision répondant à notre vocation universelle qui intègre la donne du pourquoi
notre pays est soumis à la guerre. Ainsi, il nous faut, d'un élan et intelligence patriotique, envisager une autre politique dans un autre système. Il convient d'engager notre pays dans un processus qui puisse aboutir à sa renaissance. Nous avons connu une première renaissance, un certain 1er juillet 1885, État indépendant du Congo. C'est ainsi que nous devons aller à une deuxième naissance et nous avons pris comme modèle la vie chrétienne. Donc nous avons profondément besoin de la rupture d'avec les antivaleurs de toutes ces précédentes républiques en vue d'asseoir les valeurs qui vont caractériser la 4e République à travers une nouvelle constitution pour les Congolais. Et c'est ainsi qu'il y a de cela 5 mois, jour pour jour, maintenant à ce même endroit, dans cette même salle Kampala, au Rotana, j'avais proposé une transition consensuelle de 2 ans sous l'égide de la constitution en vigueur et du chef de l'État actuel, en plus de la création de 2 institutions d'appui à la démocratie. Malheureusement, ma proposition n'ayant pas trouvé d'écho favorable dans la classe politique, fut avortée. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, après cette insémination artificielle ratée, j'ai décidé de porter moi-même ma vision accompagnée par vous, Congolais, comme des sages-femmes pour nous aider, pour nous donner plutôt les chances d'une naissance réussie de la nouvelle République. Chers compatriotes, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, celle de la naissance d'une nouvelle république. Le pays souffre de douleurs d'enfantement. J'en ressens personnellement les contractions. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre de quoi je parle. Je vis dans ma chair et dans mon âme cette douleur d'un pays qui agonie. C'est que sans doute nombreux d'entre vous ressentent aussi la même chose sûrement. Même les hommes peuvent peut-être ressentir cette douleur que je ressens. Les douleurs que nous ressentons actuellement, telles des contractions intenses, marquent les spasmes qui précèdent la naissance d'une nouvelle république. Ces spasmes, bien que douloureux, sont le signe que des changements profonds sont en cours. Avec persévérance et détermination, nous pouvons franchir ces épreuves pour donner vie à un avenir meilleur à notre pays. Moi, Marie-Josée Ifoku Mputampunga, j'ai pris mes responsabilités en vous annonçant solennellement ma candidature à la magistrature suprême pour le prochain mandat. Chers compatriotes, nous voulons un mandat électoral pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Ce mandat électoral n'a qu'un seul objectif, déraciner et renverser, détruire et démolir toutes ces mauvaises habitudes et mentalités, planter une nouvelle semence et bâtir une nouvelle République. Telle est ma vision de la combolisation. Les 4 premiers points de cette vision parlent de notre renaissance en tant que citoyens congolais, dans notre cœur, par le renouvellement de notre intelligence, par une prise de conscience qui commence par un nettoyage en soi, une conscientisation de l'autre, la réconciliation nationale et l'unité dans la diversité. Il s'agit de former l'homme congolais et la femme congolaise en les préparant à travers cette idéologie de la combolisation à se prendre en charge avec responsabilité pour la restauration de l'autorité de l'État et la construction de l'esprit patriotique
et du mental de développement pour la gestion de la 4e République. Un homme nouveau pour une nouvelle République. On ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se repent et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves et ainsi le tout se conserve bien. Une personne nouvelle pour gérer une nouvelle République. La matérialisation de 4 premiers points de la combolisation aura lieu à travers le premier axe prioritaire de la formation humaine et la construction du bon citoyen, agent de la renaissance et du développement intégral. Il s'agit des programmes particuliers et des réformes audacieuses dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de l'administration publique, de la justice, de la culture, de l'encadrement des jeunes, de la prise en charge de la famille, de la santé, du développement agricole et de l'organisation du travail. Dans ce premier axe, où il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est essentiel de reconnaître la valeur et le potentiel des femmes comme agents de changement et de les inclure pleinement dans la construction de cette nouvelle République. En honorant et en soutenant le rôle de la femme en tant que matrice du monde, notre pays pourra bénéficier d'une société plus équilibrée, juste et prospère. Les 3 derniers points de la combolisation traitent du nettoyage de l'État, de la bonne gouvernance et de la renaissance de la République. Ils nous donnent le 2e axe prioritaire de la fondation de l'État à travers la manière de concevoir le pouvoir dans le sens du devoir et de la responsabilité. La politique doit être considérée comme un service envers la société plutôt que comme une opportunité de jouissance personnelle. Par le nettoyage de l'État, il s'agit d'imaginer un système de gouvernance qui permet d'avoir l'homme ou la femme qu'il faut à la place qui convient. Le mérite et la compétence devront avoir leur sens et se matérialiser dans le choix des animateurs des institutions et de l'utilisation du personnel politique et administratif. Un mandat électoral en forme de transition pour entreprendre des réformes institutionnelles nécessaires à la construction d'une nouvelle République. Ainsi, procéderons-nous à établir en premier un état des lieux complet de l'État congolais depuis 1960. Mettre en place 2 autres institutions d'appui à la démocratie, le Conseil national de médiation et la Commission constituante pour la 4e République. Encourager la participation des citoyens congolais à chaque étape de cette transition. Il s'agit d'organiser des assemblées citoyennes, des groupes de travail et des consultations régulières pour permettre aux gens d'exprimer leurs opinions et de contribuer à la conception de nouvelles institutions politiques. Chose qui ne s'est jamais fait dans notre pays. Nous avons connu 3 républiques organisées par un groupe d'individus pour leur propre intérêt. Nous voulons investir dans l'éducation civique et la sensibilisation des citoyens sur les principes démocratiques, les droits et responsabilités et les enjeux de ce mandat de la renaissance en forme d'une transition. Renforcer la compréhension des citoyens sur la nouvelle République et encourager leur engagement actif dans la vie politique. Veiller à ce que la transition vers la nouvelle République se déroule de manière pacifique et inclusive, en respectant les droits de tous ces groupes et en encourageant la diversité et l'égalité des chances. Promouvoir la réconciliation nationale et rechercher des solutions inclusives pour les défis et les tensions existantes. En utilisant ce mandat électoral comme une opportunité de transition vers une nouvelle République, nous pourrons créer un véritable processus démocratique
participatif et inclusif qui permettra de bâtir une société plus juste, équitable et démocratique. Cette ébauche de notre projet de société vous sera présentée en programme d'action en temps opportun. Chers frères et sœurs, mon souhait est de nous voir ériger ensemble un véritable État de droit, un État fort économiquement, un État fort militairement et bien sûr un État souverain dans toute son intégrité. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Cette transition que j'avais proposée à toute la classe politique qui a été un mort-né vient de retrouver vie en portant moi-même ma propre vision, en l'actualisant à travers l'annonce de ma candidature à la magistrature suprême comme une transition de 5 ans au lieu de 2 ans pour mieux préparer la naissance de cette précieuse et ravissante république. Celle qu'il nous faut et qui nous convient, celle qui sera conduite par les Congolais eux-mêmes et pour leur propre bonheur, notre République congolaise. Tout est possible à celui qui croit. Moi, j'y crois. Cela dépend de toi, cela dépend de vous et de nous tous. La combolisation est ainsi en marche. Je vous remercie. AMC, combolisation. Fidèles téléspectateurs, nous étions bel et bien ici à Rotana Hotel, là où la présidente de ces grands partis, ANC, a annoncé à l'opinion publique sa candidature aux élections présidentielles à venir de 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec un cadre de ces grands partis à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Lelo Otoye na Katia Sal Oyorotana, Ponako, Landamilulu Nengenini, Mama Marie et José Ifoku, Asali Anos Naye, Ponako annoncer la population congolaise, Mobimba candidature, Naba élection, Ezalikoya, population congolaise, retenir Nini, na manifestation, Oye Salamaki na Mokola Lelo. Vous savez, il était très, très important que ce temps arrive parce que, aux ans, moi, c'est Mamouké, au moment où il a proposé qu'il transition à 2 ans, il a été un peu rebellé, surtout un peu politique, il a compris qu'il m'a bien. Et après, il a vendu, il a poussé un mécanisme musical, il a été un peu congo, il a été réalisé, il faut quoi faire. Donc, il a été un peu de mécanisme à transition et que le politique va comprendre qu'il m'a bien. Il a été un peu de sikoyo na ma pronom, il a été un peu de sikoyo. Afin que l'idée soit en haut, afin que ma camionnette soit en haut, que nous retirons la mise à la ce qui peut plaire, puisse avoir confiance, na ma camionnette, ce moment, Marie-José à lobby, puisse avoir confiance que lobby, puis maman Marie-José, il faut que nous soyons en haut, action, soit en haut, soit en haut, soit en haut, soit en haut pour notre bien-être en haut. Lélo, maman Marie-José, il faut que nous soyons en haut, dans le camion, il y a une combolisation. Combolisation, ou qu'expliquer en haut, na moi lingala. Pour na maman à l'obéli bisou na moi le poteau pour que permette ba kongolais nyo so balanda de partout mais yo kubete le bisou na moi lingala pour que tout mec un peu comprendre combolisation ezali nini combolisation na le poteau ezali syllogisme c'est à dire azozo makaniso wana na combo les balais combo azozo wana combo combo mosa na ngoto ebi bisou nyo so ba maman na ndako ba ebi ke combo za rapona kolongola bo soto alors ko tala mon lolenge makambo eko ke na mboka na biso o komona ke sur tout le plan bo soto yali makasi. Alors, il y a une idéologie à combo pour la comméka, pour balayer, pour la comméka, pour longo la bossotonie, on se zali na Congo. Parce que moni, Congo na biso, na lobara toujours Congo na biso un problème té. Congo na biso zali terre bénie, tout ça na nyonso oyo fallait état ou espace zara nango. Mais problème est zara na congolais. Il y a un biso doyé na combo, sur tali na 7 points à combolisation na biso toko banda par la nettoyage de soi, nettoyage personnel, toni to banda wana afin que mboka na biso oyo tonda kita, mboka na biso zali terre bénie. Homme ya malam, homme o azali kombolisé aya kambambo kapona makambonyo soki na kimbe. Na banza ete toyi ko mona lolenge kani na 4 République démocratique du Congo, c'est la première mwana mwasi oyo atima kanisi pour que s'annoncer candidate président de la République depuis 2018 et na ba élection oyo ya 2023
azongi les sous na katsa course mais kobangi sabino te mwana mwasi na ebele ya mibali boye bambinga na katsa République démocratique du Congo mais nyo swana ekobangi sabino te na ba élection présidentielle à venir et loko ekobangi sabino la réalité parce que la limba liboso te soko moni na na biblia otali histoire ya Deborah romona ke tant peuple israël est souffra ki esenga ki na Deborah moko telema et tant Deborah telema ki makamoyo sokenda liboso le lope mboka na biso depuis 1960 makambo eko kende mbilinga mbilinga esengeli na mwasi moko telema pona beta pe marto na mesa pona makambo kende malam ya ngwana ifoku atelemi ifoku zong sabe mwasi mabato ba kotala ba imboka bato ki ngabo bato parsi parlo ba kotala ba yeba ke Marie José ifoku za ki candidat ka moko na mwasi ya 2018 à battre à côté qui m'a cambo à pona y bana pona sa nini ya wana zone sur 2023 na makanisi pe na assurance le roba na lopoto que peuple a repé sa y mandat par au diriger mboka oyo ma makanisi ya malamu azanango à côté on a profit à ma congolais message nini yo ko lancer na ba population congolaise nyonso de partout et à la bande qu'on a bisou na est ou bazali ko gérer que sur la paix. Et ça a été dit qu'il a souffert dans la situation et qu'il a été dans le Congo profond. Mais ça, je n'ai pas commencé à faire des choses qui sont en train de se faire. Il y a eu la guerre à l'Est, il y a eu un dérangé à Kapenda, maman, il faut que je me casse. Il y a eu une sale différence dans la politique. Il y a eu une annonce pour la candidature dans l'Est, dans le cas des réfugiés. Il y a eu un appel, il y a eu un plan d'abuso et action. Ce qui est là, il faut que la population apprécie le boko, toi apprécie confiance ne va avoir dans le poto et qui a commis présente la République lelo à ko bunda ko se casser penda morceau pour na kimia ezonga na est ya mboka na biso. Merci beaucoup mon mboka. Ngai na tondi o matondo. Merci beaucoup.